Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. Nous accueillons ce matin sur le plateau deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueille François-Henri Dossou, qui a un ouvrage qui sera en vente signature sous peu, disons ce week-end. Le titre, c'est « Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancité, ou s'unir ou périr ». Dans un second temps, on aura le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Lauré Adrien, accompagné du docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé. Ceci pour vous dire qu'on va parler santé à la deuxième partie de cette émission. Accueillons sans tarder commissaire Dossou. Et moi, c'est d'accord que me dit commissaire Dossou et me dit non pour qui ça. Commissaire, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Wendel et amis internautes un peu partout. Son plaisir pour nous la matin. Nous voulons saluer famille coopérative qui est dans tous les départements. Nous saluons tous les policiers, mes frères d'armes. Et encore une fois, et c'est un grand plaisir pour nous avec auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Là, bien comment nous c'est on haïtien qui ont un paquet d'étiquettes, un paquet de chapeaux. Là, on parlait de formation académique, si ça, moi, c'est ça. Ou normalien, ou fait des études en droit, gestion et comptabilité, ou bien des expertises en négociation de crise, investigation criminelle et sécurité publique. Commissaire principal, ou t'es formé dans l'Académie de la police nationale d'Haïti et à Fort Leonard Wood, Missouri, où tu as une formation spécialisée en technique de négociation aux États-Unis d'Amérique et en France. Nous avons ça toujours, mais nous n'avons pas l'ordre de continuer. Mais moi-même, pour me dire, auditeur, avant même que nous parlions de livre, hein, la coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr, pour me dire que nous gagnons. Je me demande si c'est pour une erreur de ma part, le fait que je ne me recevoir déjà. Et parce que moi-même, moi qu'on est, on sait, surtout dans le moment où tu es responsable, cellule contre enlèvement, non période, non moment que tu es dur en Haïti. C'est la période 2004. Et même pas songer qu'il a démissionné de poste à qu'il est. C'est de 2004 à. Jusqu'à 2014, en fait, 10 ans. Ou bon, en fait, 10 ans de 2004 à gérer question kidnapping en Haïti. Expertise, ça, au nom de cette expertise qu'on aime de supposer recevoir là déjà pour te parler non de travail là. Alors, on souffre un peu si beaucoup parler de livres là. Mais dis-nous, pour qui ça a été décidé? Parce que vous avez un résultat. C'est pas facile pour moi d'avoir un résultat dans le domaine et puis décider de virer de la le quitter. Pour qui ça a été décidé de quitter celui-là, ancien lèvement? Et disons, c'est un outre stratégique. Dakadi, effectivement, le résultat est assez probant. Nous avons de bons souvenirs par rapport au travail que nous faisons. Et l'un qui était bureau 1, il était à 0 cas d'enlèvement. Et pour vous dire que... C'est-à-dire en 2014? En 2014, bien sûr. Zéro cas? Zéro cas d'enlèvement, bien sûr. Et jusqu'à présent, on voit que la situation, ça, parce que l'unité qu'il a, il y a des résultats assez excellents. Mon système que nous mettons en place qui permet que, jusqu'à nos jours, les résultats, ils continuent. Bref... Non, mais tellement. Dans actif, qu'est-ce qu'on gagne? Bon, et actif, nous traitons environ plus de 2000 cas d'enlèvement, de 2004 à 2014, et puis en termes d'interpellation, nous interpellons plus 1200 que nous déférés par le tribunal. Ça, c'est en termes de chiffres. Bilan de chiffres. Yeah. Donc, 2004, environ 2004 dans l'avant. Traité. Et plus d'un millier d'interpellations. Des interpellations déférées, normalement. Yeah. Et donc, preuve à l'appui. Donc, il y a tellement de bons souvenirs. Je me rappelle que mon collègue qui dit que, au commissaire, il dit que dès que c'est rapport, dossier, c'est le contre-enlèvement, pas presque une faille là d'ailleurs. Parce que je viens de conduire enquête. Et je me rappelle que nous avons eu en pile les interventions, libération d'otages à l'époque. Nous avons parlé souvent sur ça. Et c'est des indices qui sont probants que nous. Avec des indices probants palpables que nous voyons avec le déférement devant la justice. Mais est-ce d'après vous-même,
Bon, c'est pour pas dire que c'est le travail, oui, c'est payé pour ça, mais Dieu sait à quel prix, et ça t'est. Mais est-ce que la société a connaît ou encore réalisé volume de travail qui était contre cette norme? Et puis, apport aux normes, pacification, c'est une les sociétés en termes de d'enlèvement, prise d'otages et autres. Très bien, merci. Nous travaillons avec un pile de collègues étrangers, français, toutes catégories, les agents du FBI. Vous qui n'ont que devant moi? Mm-hmm. En anglais, je dis ça, The Silent Hero. Ah ouais? The Silent Hero. Mm-hmm. En français, le héros silencieux. Mm. Bah, quoi, nous besoin de faire bruit parce que je travaille nous et nous dit que nous l'avons servir, c'est un serviteur. Et en passant, je salue le directeur général de la police. Parce que c'est collègue, nous étions dans l'académie ensemble. À l'époque, promotion d'inspecteur, moi, nous avons fait une compétition entre nous, beaucoup connaît les compétences DG. Mais finalement, la promotion, ça m'a été sorti lauréat promotion, et puis DG est venu en deuxième position, et puis nous avons travaillé ensemble dans la direction générale. Nous avons une bonne expérience, et ça m'a vivre, je ne dis pas, comprendre la crise, et quand on traverse les situations, la société en général, bref. Et nous pensons que nous avons un livre que nous travaillons sous lui, beaucoup voulait faire. Faire fuite en avant, on lit Capitaine Société hein, sur la question de sécurité publique. Je pense qu'il y a le sérieux problème. Je veux dire. Je dis. Hein. Yeah. Ou qui des cellules contre l'enlèvement avec un bel palmarès, un pile résultat, et on a osé dans nos sociétés. Hein. Dis vous merci. C'est le travail. Et avant que nous commencions à parler de livre là, ouais. Et pendant un certain temps, quand tu dis que c'était un article premier Constitution, que tu dis Haïti est une république coopératiste. Voilà. Mais je connais un amendement utile. Et, oui, idéal. Est-ce que tu as même que me poser une question avant de commencer ou qu'on pose une question simple, même dans la main, inverser le rôle là. Vous permettez ça? Est-ce que tu admets que je dis Haïti est un pays qui est en crise? Ah, bien sûr, tout le monde. Tout le monde admet. Ok, est-ce que tu admets tout que et pays en quête de modèle, de modèle? Je suis toujours entendu dire ça. Ok. Mais quand on a commencé pour ça, qu'est-ce que vous là? Justement, c'est là et le but de ce livre. C'est un véritable plaidoyer. En général, Baron fait ça, non? Baron qui t'invite à poser une question. Oui, et son cas. Mais exceptionnellement, c'est exceptionnel. Il y a exceptionnel. Oui. C'est un véritable plaidoyer en faveur du modèle coopératif. Pour qui ça nous dit ça, c'est que la recherche que nous faisons dans le livre, tout pays, en pile pays qui est traversé par des crises économiques, sociales, il fait appel avec un modèle coopératif pour résoudre les. On a par exemple le cas de et Silésie en Autriche, avec un négociant Willy Boering, ça c'est les années 1755, avec Frédéric Logan, ou le pouce. Société ça qui était ravagée par la guerre des 7 ans, et puis Boering inventait une société, le crédit, qui va permettre que Mounouro capitaliser. Et c'est même société ça qui t'a inspiré en l'état de Skulls Delich, qui sont allemands, qui t'a initié les premières banques. Banque populaire en Allemagne. Et là, au deuxième cas que nous avons, c'est le Québec du Canada. Vous savez que dans les années 1800, 33% de la population québécoise quittait et le Québec pour aller migrer en Nouvelle-Angleterre à cause de problèmes financiers. Même situation, ça qu'on a vécu exactement, je veux dire. Il était traversé par crise, ça, planteur, agriculteur, pas qu'il y a eu accès à crédit. Et une figure emblématique que nous jouons, c'est Alphonse Gabriel Desjardins, qui lui-même était sténographe français, un sténographe dans le Parlement canadien, M. Tandé, député qui a discuté sur taux d'intérêt qui arrivait 3000%. Et puis M. a posé des questions comment on peut contribuer avec, pour résoudre un problème comme ça. M. écrit Henri Wolf, qui sont écrivains allemands, qui écrit un livre qui est The People's Bank. M. était en contact avec les pionniers en France. Et puis de là, Alphonse Gabriel Desjardins pour imiter le modèle des caisses des banques populaires Skulls en Allemagne, le modèle des caisses en Italie de Luigi Luzzatti pour la former les caisses pour les jardins. Aujourd'hui, ça qui passait, les caisses populaires des jardins viennent devenir un mouvement, vous attendez le parler de ça, DID, Développement International des Jardins, qui c'est troisième bras financier du gouvernement québécois. À dernière, d'après chiffre, moi, ouais, que yo bail, yo totalisé 378 millions de dollars que vous fait en Stone en excédent, qui vous fait en Stone avec un membre, c'est extraordinaire. Ça veut dire qui ça? Nous proposer un modèle, nous voulons vendre un modèle, une vision à la jeunesse, à cette génération qui a souffert. Nous conscients de ça.
Et nous dit que toute bataille qu'on a faite là, toute crise, est à la base de l'origine de l'économie. Mm-hmm. Et ça fait nous dit que coopérative et des capacités pour les résoudre ça, parce que en termes d'institution, c'est l'institution qui résiste, qui est pérenne et qui résiste au temps de crise. Et je ne vais pas ajouter, c'est que nous dit dans le livre, nous proposer le modèle coopératif, à la fois comme modèle de création de richesse, de la solidarité, et au modèle de d'organisation sociétale. Nous, ouais, société antigen gaillé, nous nous gaillé par campagne. Mm-hmm. Nous pendant nous soyons. Maintenant, puisque nous gagnons même problème, c'est rôle coopératif pour mettre tout pour ensemble pour aider résoudre le problème ensemble. Alors mal comprendre aspect solidarité dans, mm-hmm. dans le livre, on leur dit une alternative coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire. Merci, bien sûr. Mais d'après mon explication, tout même j'en suis balayé pour solidaire là. Sous aspect émancipation. Émancipation, on se dit que, et après que nous écrivons là dans deux, dans les deux langues nationales, coopératives, une dans chemin, développement. Mm-hmm. Développement. Économie haïtienne à tête ensemble. Émancipation, on a dit le développement de l'économie. Nous trouvons qu'il y a très peu, l'économie jusqu'à présent, m'a vécu plus de 40 ans, nous trouvons que manquer créativité. Moi, c'est même bagarre qu'a fait. Manquer créativité. Or, la loi permet que dans tous les domaines de l'économie, dans tous les domaines de la vie, nous sommes capables de faire coopérative. Coopérative d'ingénieurs, coopérative de journalistes, coopérative d'artistes, de musiciens, d'enseignants. Là, en République dominicaine, la République la coopérative des enseignants, totalisée, c'est à peu près troisième, et corporation en termes de mobilisation de ressources humaines et mobilisation de l'épargne. Dans ce cas-là, nous dit que regroupement à travers les regroupements professionnels, à travers les regroupements communautaires, le ça qui avantage nous va gagner, c'est que en tant que groupe, valeur yo y a communiqué mieux entre eux et tout et communication a passé plus bien. Mm-hmm. Regroupement, c'est je pense que c'est là que nous devrions. Mais c'est cette oui, mais est-ce que nous avons une société qui est disloquée, côté que tout le monde va danser, même danse, tout le monde va pas avoir question, même gens, il est difficile pour nous mettre vision, idée, projet en commun. C'est une question que nous avons tout à l'heure. Là, on fait valoir l'importance de coopérative dans la société, tout ça capable de porter de bon. Et là, mal comprendre que son gros facteur de développement, c'est tout le monde arrive à mettre d'accord sur le lit. Ok. Mais, pour que ça donne en constitution retirée? Ah, ça, c'est une très belle question. Soit dans le livre, on peut que, et il y a un chapitre qu'on traite pour ça. Pourquoi et comment le vocable coopératiste a disparu? Il a disparu de la constitution. Alors, la constitution a dit amendée de 1957. Et nous faisons des démarches scientifiques, nous parlons avec des gens assez importants dans le milieu. Nous allons même dans le secrétaire du Parlement pour nous déjeuner et copier pour ces verbales, ça, côté que monsieur a approuvé la demande de la proposition d'amendement. Mm-hmm. Et son terme qui est cher avec le secteur coopératif haïtien, mais souhaiter que tout le monde a regardé pour nous. Pour moi-même, c'est plus mon fantaisiste. Mm-hmm. Yeah, nous faisons toute une histoire pour nous qui est quantité de temps que. Le mot social et solidaire, il existait dans la Constitution. Mm-hmm. Et un beau matin, et puis, et de manière fantaisie, je choisis de retirer. Mm-hmm. Et nous posons des questions pour qui ça, quelle a été la motivation. Mais la réponse est dans le livre. Ok. Maintenant, ok. Nous avons une idée de ça, créer une coopérative. Ok. Et là, par un simple survol, m'apprendre plus. Mais qui ça, qui peut le faire? Pour enlever mauvaise idée que nous avons de coopérative en raison d'expérience qui fait cette question en Haïti. Nous dit que. Vous d'accord? Mais d'accord. Que les expériences de coopérative à grande échelle ou bien à l'échelle nationale n'ont pas été intéressantes pour les Haïtiens. Maintenant, qui est-ce que nous sommes capables de venir avec l'autre thèse aujourd'hui hein, pour nous faire comprendre que ça que tu as fait là, c'est pratiquement une mafia et que ce n'est pas de coopérative vraiment. La thèse contraire, excusez-moi de vous interrompre, et c'est justement pour la vérité pour l'histoire, pour lever le voile autour de ce mystère. Mm-hmm. Pour qui ça, c'est parce que nous, les types d'entreprises, en fait, dans l'inliminalitis, dans le début du livre, là, on dit que ça ne parle pas de lien, sujet ça, il n'est pas concerné le regrettable scandale qui est arrivé, qui est en vague. Escroquerie
qui est fait dans les années 2000 et qui vient discréditer les vraies coopératives et qui existaient depuis longtemps. On va le voir des cas, des chiffres. Et nous, le niveau secteur coopératif, nous relayons des entreprises pyramidales, des entreprises de placement de 10%. Moi, je ne veux pas que nous associons les types d'entreprises des coopératives. Nous ne voulons pas attribuer un mot ça, parce que ce n'était pas des coopératives. Mm-hmm. Ce n'était pas des banques non plus. Puisque le type d'opération que vous avez fait, ou pas qu'à catégoriser dans le système financier haïtien, même aller plus loin quand je me dis c'est des purement et c'était tout simplement des maisons d'affaires de 10%. Maintenant, nous dites où était passé l'État, où était passé la BRH, le ministère des Finances, par exemple, le CNC, le Conseil national des coopératives. Toutes les instances étatiques sont là, étaient là. Mm-hmm. Maintenant, nous prenons nous compte que ces pseudo-coopératives, vous faites toujours pointer le chapeau aux coopératives, pour être capable d'escroquer et qui glissait en goût amer, ça n'était dans le livre de phobie coopérative. Par contre, on dit que, est-ce que de nos jours, dans ces conditions que nous vivons là, est-ce que nous avons le tout choix? Non. Ou s'unir ou périr, c'est le mot d'Edouard Tardieu, un éminent coopérateur haïtien, mm-hmm. que nous empruntons, sans être ensemble, on a péri. Mm-hmm. Maintenant, on va profiter de l'occasion pour nous dire qui est cette coopérative là. Coopérative, et c'est à la fois, d'accord, dit que c'est moi-même avec vous, deux journalistes, nous estimons que nous avons le même problème, nous mettons ensemble pour nous résoudre le problème, pour résoudre le problème. Simple que ça. Puis à la fois, une entreprise, il y a deux chapeaux, il y a à la fois une entreprise, il a fait affaire avec Mablio, permettre de réaliser le projet d'affaires, et ils sont associations. Bon, association, d'accord, dit deux personnes, parce qu'ils mettent accent sur l'homme. Où est l'homme dans sa dimension sociale, dans sa dimension humaine. Solidaire, bien sûr. Oui, mais ça te fait, t'as pas de question de mise en, de mise en commun, bah, qu'on ait des ressources. C'est pas de ça que je dis, c'est seulement un 10 000 lots là. On est qui dit que la banque 10% chaque mois sur lui, ou bien 20%. Bal cob là. Bien sûr. Et puis si je me paye un pourcentage de. Et bon, trois intérêts, trois mois d'intérêt. Je suis 10% là. Et puis après, je fais me connaître que Coblan a plan la fructifier. Nous, dans le chapitre, dans le dernier chapitre, nous parlons de modélisation d'une escroquerie avérée. C'est ton véritable. C'est ça, soit menté par ton bagage. Par contre, nous, ouais, coopérative comme institution à valeur résiliente. Coopérative, c'est un que me fait partie de lui. Il est fondé le 22 février 1951. Mm-hmm. La première des caisses à Port-au-Prince, la doyenne des caisses. Mm-hmm. La coopérative de la première société coopérative qui prend naissance à la vallée de Jacmel. Alors, la coopérative d'épargne et crédit, mm-hmm. la vallée de Jacmel. Il est fondé le 22 septembre 1956. Il très bientôt, il est dans 60 plus que 72 ans d'existence. C'est des patrimoines financiers qui ont des services financiers à la communauté. Mm-hmm. Ça veut dire que, et Mounio, c'est là le danger. Si vous quittez au point par ça, vous pensez que nous foutons parce que nous n'avons pas d'autre choix. Des gens qui disent, ah, un problème de confiance qui est établi, comment on va le faire, mettre ensemble pour nous faire et pour nous faire coopérative. On me dit, moi je suis désolé parce que au point où nous sommes, la force des choses, bon gré mal gré, la force est nous mettre ensemble. Le coopératif, la force de nous mettre ensemble pour nous réaliser, si nous voulons réussir, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Parce que, j'en dis là, le modèle coopératif, qui a changé la société, a transformé la société, peut-être qui ça. Quand le coopérateur fait ouais, monde en l'autre genre, il fait ouais, institution en l'autre genre, ou sont éléments de la communauté. Ça, c'est un retour à la communauté. Après 17 ans que m'a servi comme m'a fait bénévolat, le volontariat. Parce que, comme dit le coopératif, vous n'avez pas droit à salaire. C'est du bénévolat que je fais après 18 ans à servir. Dans plusieurs coopératives ou tout, bien. C'est la loi qui décide comme ça. Dès que vous êtes dirigeant, vous n'avez pas oui, droit à ça. Oui, bien, il faut bien imprégner de questions. Ou même, il faut comprendre, il faut qu'on aille pour. Non, c'est la vie démocratique. Pour, une fois pour propager l'évangile, là. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait un peu de recherche, 17 ans, à faire recherche des compilations. Et là, maintenant, nous dit que nous prêts pour nous venir avec jeunesse, ça. Mm-hmm. Il faut qu'il approprie. Et ça, nous dit que coopérative, c'est la plan de salut pour Haïti. Est-ce que vous avez une différence entre les caisses populaires bien sûr. Et les coopératives? Bien sûr. Et coopératives sont une grande famille que l'économie sociale et solidaire, ESS. Il y a trois grandes branches, les coopératives, tout type de coopératives, financières, production, consommation, dans tous les domaines de l'économie, de la vie. Mm-hmm. Deuxième branche, c'est les mutualités, les mutuelles. Actuellement, il y a une expansion qui a faite au niveau mutuel en Haïti.
Et c'est ça que je dis. Moi, dans le 7e chapitre, nous faisons recommandation avec proposition à l'État central, à la fédération et association de coopératives, à l'administrateur de coopératives et aux sociétaires, à la société en général. Là, nous demandons pour que l'État régule un secteur, ça, les mutualités, les mutuelles, qui a développé une expansion. Mais il n'y a aucune loi. Et c'est ça, nous, qui est arrivé dans les années 2000, là, côté que nous profitons de faibles états pour faire des types d'entreprises bidons et qui viennent causer et ce mal au secteur coopératif. Cependant, l'autre barrière que nous allons ajouter, une autre phrase de moi-même qui n'arrive dans tout, c'est cette fameuse expression de Brett Ferbem, monsieur, c'est un professeur de l'université Saskatchewan au Canada. Je dis que les coopératives existent là où il y a des lacunes sociales ou économiques et servent à suppléer aux adversités économiques. Étant une troisième voie, elles servent de véhicule de promotion du changement qui émerge lorsque les individus et les institutions politiques n'ont ni la capacité ni la volonté d'effectuer une transformation. Et Ban Ki-moon, ex-secrétaire général des Nations Unies, dans le sommet international qui a fait au Québec sur les coopératives, on s'en dit, j'encourage les gouvernements de tous les pays à créer un environnement porteur où les coopératives puissent croître et prospérer. Tirons parti de la force des coopératives pour réaliser les objectifs du développement durable et instaurer un monde de dignité où chacun a ses chances. Alors maintenant, la différence là, entre les mêmes en caisse populaire. En caisse populaire, c'est une coopérative. Mais toute coopérative, pas une caisse populaire. Une caisse populaire, c'est une institution financière qui a fait intermédiation financière sur le marché. Il recueille par un membre et il fait le travail, il fait le fructifier et il finance les projets mondiaux sous forme de crédit. Et ça fait nous dire que sont idéales parce que ils permettent que les mondiaux aient accès à l'argent. Et nous avons des exemples des gens qui réussissent avec le crédit et coopératif. Difficulté, c'est pour moi de gérer accès à l'argent. Mais les fonds sont là, les ressources sont là. Et ça fait nous avons une vision que nous vendons dans le livre-là. Nous souhaitons que nous comprenions, nous plaidons en faveur pour que nous ayons un mariage entre la finance et la terre. Nous, ouais, les institutions financières, qui accumulent et collectent l'épargne, l'argent. Et financer les productions, les sociétés de production agricole. Peut-être qu'ils ont dit ça, c'est parce que dans les années 1937, lorsque tu as parlé de sous économie Haïti, lorsque tu es prospère, et toutes les côtes bondées de navires qui ont sorti en Europe, en Amérique, qui ont pris cacao, pit, café, c'était les sociétés coopératives agricoles qui ont fait. Et il faut me citer le lieu de mémoire du mouvement coopératif rural haïtien, qui s'est pour rapidement du Nord, c'est là. En 1937, la première société coopérative agricole qui prend naissance. Maintenant, nous voyons que génération de coopératives ils disparaissent dans l'histoire. L'État arrivé, Kembe, au pouvoir prospérer, au type de prospérer. Nous voyons une deuxième génération en 1946 avec les sociétés, les caisses populaires, qui ont l'autre type de coopérative. Maintenant, et sous un tableau, ça que je vous présentais dans le dernier chapitre, dans l'annexe, nous voyons que gagner, selon le chiffre actualisé que CNC, bon, moi, il y a plus de 160 coopératives qui éparpillées dans les 10 départements. Coopératives de production, élevage, commerce, et toute qualité. Et combien de membres? Alors, 160, je n'ai pas un chiffre membre, mais juste moins institution que moi, fait par département. Donc, est-ce que chaque coopérative, ça a gagné 200 membres, ou 300 mais membres, ou 700, ou bien un millier de membres? On connaît que les coopératives financières, les caisses populaires, en eux-mêmes seulement, gagnent plus de 1 million de membres. L'homme dit son véritable réseau qu'une casse vient avec lui. Plateforme, côté que. Mais il dit que la formule magique. Mais ça a étonné. La formule magique. Attendez bien, Rondel. La formule magique. La trilogie, c'est réseau de nos jours. Macro, coopération. Pas gagné un café sans coopération. Oui, alors ça me va dire, c'est que ça a étonné que tu as gagné déjà 1 million de membres de coopératives et que nous n'avons pas senti effet à nous pas well si son facteur de développement que lié, comment expliquer? Parce que 1 million, c'est beaucoup. C'est énorme. Je pense qu'il y a quelque peu une manque de vision qui traverse ces secteurs-là. Et ou après que manquer de littérature pour arriver, mettre, compiler, donner ça, il va fasciner des jeunes des livres, des ouvrages qui sont écrits par des auteurs haïtiens. Il y a, pour nous faire compilation, ça fait, nous dit que si des étudiants sur le tas, nous faisons pile d'interviews et bah, j'ai dans plusieurs qu'on a payé pour nous parler avec, pour nous, ou qu'ils décident, c'est pas des contes de fées que nous racontons. C'est des théories qui tiennent debout. Pour expliquer ça. Livre ça et.
Une coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire émancipée. Et financière. Émancipée. Et émancipée, pardon. Où s'unir ou périr? Est-ce que c'est à des coopérateurs ou encore membres de coopératives dédiées ou bien à des mondes qui étrangers, si vous voulez, à secteur ça? Les chercheurs, les universitaires, mais les en particulier. À monde qui dure, qui pas connaît le mouvement pour entrer là-dedans. Maintenant, monde qui est dedans capable de renforcer avec connaissance qu'il a déjà, avec information ça. Et, mais monde qui dure tout surtout. Et les jeunes en particulier. Ça fait nous dire que nous mettons assez d'énergie pour nous mettre dans les deux langues. Créole en français pour que ils comprennent ça. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'autre choix, c'est la plan de salut pour Haïti. Des coopératives. Mmh. J'insiste sur là-dessus. Mmh. Yeah. Et comment des étrangers, par exemple, vous n'avez pas aucune idée de question, comment ils accueillent l'idée, hein? Ce que je veux dire, est-ce que vous sentez que les gens à peine que vous finissez le ouvrage, bon, c'est parce que c'est un livre qui est récent, qui est beaucoup, dans les librairies. Mm-hmm. Et, est-ce que vous sentez que les gens sont sensibilisés une fois que vous prenez connaissance de teneur livre-là? C'est yo d'accord que son fièvre pour moi qui a demandé de ça déjà. Mais c'est moi qui dans le secteur. Hein? Dans le secteur ou bien moi qui. Y a, je constate une soif ces derniers temps. Parce que les gens sont en quête d'une alternative, Wendell. Mm-hmm. Et ça, je dis que nous avons gagné de nouveaux modèles d'hommes, de nouvelles institutions et une forme d'économie. Nous avons créé richesse dans la solidarité. Il n'y a pas besoin d'aller dans la corruption, d'aller dans le bagage. Intègre, avec beaucoup d'intégrité, nous avons créé richesse. C'est ça qui est nous. Je dis que non seulement ils sont modèles de création de richesse, mais ils sont modèles d'organisation sociétale à travers des regroupements communautaires, des regroupements professionnels. Mm-hmm. Donc, pourquoi je me parlais, pourquoi je me dis qui côté 20 signatures la fête, d'abord, est-ce que c'est première? Oui. 20 signatures. Première 20 signatures à El Rancho, qui vendredi 3 août. Alors, après demain. Et le vendredi 3 août, le vendredi, après demain, le week-end prochain. Le week-end prochain. Il va trop cher, non? Écoutez, l'organe des matériels là, qui est là, nous dit que c'est un chien de cadeau que la vient. Chien de cadeau, il vaut plus que ça. Même dit à 1000 gourdes en contribution pour récupérer quantité et sortie de fonds qui fait pour lire ça. Il fait autant de sacrifices parce que nous devons que vous présentez un matériel qui un livre qui est digne du secteur et puis pour qui est capable en mesure pour le faire, pour le transformer pour un mouvement, genre le fait là. Mais motivation pour vous-même personnellement, c'est qui ça l'est? Et renforcer la littérature coopérative dans le domaine, porter les gens, porter plus de monde, qui plus de monde connaît. Mouvement coopératif. Hein. Et puis, t'as qu'à dire renforcement secteur là. Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir, ou périr. François-Henri Dossou, que l'on reçoit ce matin, et la bande signature de ce livre, ce sera le 3 août prochain à l'hôtel El Rancho. À partir de 3 heures, vous avez dit? À partir de 4 heures. À partir de 4 heures de l'après-midi. Merci, commissaire, et j'étais très heureux de vous recevoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. J'espère qu'on pourra bientôt se parler sur d'autres sujets. D'ailleurs, il y a un autre ouvrage, un nouvel ouvrage qui est annoncé. C'est ça. Et on sera en mesure d'en parler bientôt. Oui, bien sûr. Et dans 2 mois, dans 3 mois Ça prend du temps. Quittez-moi forcer un peu et puis ma foi qu'on est. C'est ça. Primeur. Mais bon, me remercier ou même personnellement pour privilège à côté de moi pour me parler avec le public là. Les policiers, les frères, nos frères d'armes, les coopératives dans tous 10 départements paysans, on salue, on a prétendu une vaccination, ça. Toute population générale lui invité pour bon, ça. Parce qu'on nous dit prière, non? C'est 1000 gouttes. 1000 gouttes. Yeah. Ok, c'est 1000 gouttes. Un échange de cadeaux. C'est ça. Et si on m'en intéresse, entrer en contact avec vous, qu'est-ce que ça pour le faire? Et le carré, les moins, nous avons un spot publicitaire qui est sorti, Kounala. Ok, qui a annoncé une date d'entrée. Qui a annoncé la visite là avec les informations pour contacter nous. Commissaire Dossou, merci infiniment. Passez une bonne journée. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Wendell. À bientôt. Merci à tous. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, le commissaire François-Henri Dossou, autour de la sortie de son livre Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr. On va observer la pause et au retour, on accueillera le
le docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé au ministère de la santé publique. Et le directeur général, Laurie Adrien, sera également avec nous. On va parler santé. Merci de votre patience et à tout de suite après la pause. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir le directeur général du ministère de la Santé publique, docteur Laurie Adrien, et le docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé. Et avec nos invités, on va parler de homologation des examens d'État. Et examen d'État. Docteur Laurie Adrien, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et merci pour l'invitation. Et puis on a profité de saluer téléspectateurs et auditeurs Radio Télémétropole. Docteur Evans Vladimir Larsen, bonjour. Bonjour Wendell et puis bonjour pour toutes téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, qui suivre. Bon, ça, les emmerdants parfois. Qui suivre nous dans l'émission matin. Oui, alors, homologation et examen d'État. Pour les infirmières, c'est ça? Les examens d'État pour les infirmières. Il ne va pas dire ça, non? D'en ajouter les. Ajouter les là. Alors, on allait. Problème ça, les répéter plusieurs fois. Homologation des diplômes, ça a été en crise récemment. Au point de songer, c'est docteur Adrien que tu es invité pour parler de ça. Tu es en inquiétude à l'étranger. Côté que tu es banon échéance, tu te dis que si nous ne mettons pas à jour, ça arrive en l'œil ou pas. Là, on a parlé d'accréditation des écoles, des facultés de médecine. Oui. Sujet maintenant, c'est un sujet bien spécifique qui vient pour avec. Tu n'as rien pour avec lui? Pas encore. Le sujet maintenant, c'est homologation ou bien souvelé équivalence pour les médecins à diplôme, avec diplôme étranger qui veulent pratiquer la médecine en Haïti. Quand nous n'avons pas les deux médecins à diplôme étranger, qu'il s'agit de médecins haïtiens qui étudient et diplômés non faculté de médecine étrangère, qu'il s'agit d'un étranger qui fait médecine à l'étranger et qui vient en Haïti avec diplôme, la loi prévoit dans quelles conditions et qui ça pour ça remplit comme obligation légale pour les gagner accès à la pratique médicale en Haïti, pour gagner accès à l'autorisation de pratique médicale en Haïti. Et nous venons sous question, c'est parce que actuellement, le directeur formation, on parle un petit peu plus de détails techniques sur la question. C'est que on a un groupe d'étudiants haïtiens qui diplômés de facultés de médecine étrangère et qui rentrés en Haïti, ils ont supposé passé par un processus légal qui établit depuis des années, la loi remonte à 1940, juillet 1940, qui dit comment Mounsayo yo ka gen droit à l'autorisation de pratique. On peut parler de diplôme, on peut parler de licence qui ba moun nan droit pour pratiquer médecine. Donc, naturellement, quand nous allons rentrer dans le détail, loi ou après, qui condition pour Mounsayo rempli. Et deuxième sujet que nous allons parler de lui, c'est la question des examens d'État pour les infirmières. On connaît que pour infirmières, là tout, les posons le problème parce qu'on n'a pas qu'à l'école qui a formé infirmières. Donc la formation n'est pas standardisée, n'est pas uniformisée. Ça veut dire que ou pas un contrôle total de la qualité de la formation. Seul instrument légal qu'on gagne pour faire mise à niveau, c'est un examen. Pour qu'on mette tout le monde sur le même niveau. Et ça même tout, il répond à des exigences internationales. Ça veut dire que même là, il y a besoin d'aller l'autre bord pour y aller passer l'examen. Côté où aller l'autre bord pour y aller continuer à étudier ou bien pour y aller travailler, côté ça pour aller écrire ministère pour le demander, ministère pour lui bailler opinion sous papier ça que le monde a gagné. Parce que c'est ça le problème. Le problème, là, le monde est diplômé dans de l'école, là où il est là-bas, ce n'est pas diplôme, là, il faut y vérifier. Il faut y vérifier licence là. Or nous-mêmes, donc à partir du diplôme nan, que nous-mêmes nous vérifions, nous baillons licence. Donc ça veut dire que si nous baillons licence, c'est que déjà il faut que nous homologuions, il faut que nous reconnaissions que le diplôme est bon et que il correspond à ça que nous devons connaître pour le titre ça qui est écrit dans le diplôme. Mais seul gens pour nous connaître ça, c'est que pour les médecins qui sont formés à l'étranger, que nous ne connaissons pas forcément qui ça va apprendre. Gain homologation ou bien équivalence là et docteur Larsen va l'expliquer qui ça la loi dit dans le cas de ça. Et pour les infirmières comme en général on va dire
la majorité tout nan yo c'est des infirmières qui étudient ici, donc c'est pas des diplômes qui sont l'autre bord que vous voyez pour nous homologuer. Donc nous pas aller dans homologation équivalence, nous juste passer dans étape examen, dans étape examen d'état qui permet que vous gagne droit à licence. En moi avec docteur Larsen, docteur Larsen, pour nous parler de pour première partie émission question homologation. Merci. Bon, et homologation hein, nous il est l'équivalence. Il dit qui ça? Ministère a gagné comme responsabilité pour le protéger population. Il gagne responsabilité pour que lui assurer que monde qui a exercé qui a pratiqué une profession de santé en Haïti que répondre à un minimum pour être capable d'exercer, parce que sinon c'est livrer population normalement dans n'importe qui est. Et déjà dans loi 1940 27 juillet 1940, depuis sous Vincent, président Vincent. C'est le seul texte de loi qui existait dans le pays hein, qui dit pour exercer profession, genre médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, comment ça supposait fait. Avant, c'était loi 1826. Mais dernier, ça qui en vigueur jusqu'à présent, c'est loi 27 juillet 1940. L'idée qui ça? Que pour nous exercer profession ça y est en Haïti, et ma bonne lecture de lit, et pour que tout le monde cap suivre là, moniteur, ça veut dire que son pièce légale qui dit comment pour exercer. L'idée dans article 1, désormais, nul ne sera admis à exercer en Haïti les professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par la faculté de médecine d'Haïti, conformément aux lois et règlements régissant la matière. Par contre, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et sages-femmes diplômés à l'étranger ne seront admis à exercer leur art en Haïti qu'après avoir obtenu l'équivalence. Et qui ça équivalence là, vle dit qui ça lié. Un document ça faut qu'il vérifie authenticité, ça veut dire que est-ce que pour papier porté son papier qui correct. C'est ça qui fait que il a demandé pour légaliser document hein, et gagner une vérification que institution haïtienne a fait à travers côté moun nan ta l'étudiant pour sûr que papier numéro là dans correct. Un moment docteur. Est-ce que démarche ça les concerner des médecins haïtiens mais qui formés à l'étranger? Ou bien des étrangers médecins et qui viennent en Haïti et qui souhaitent pour une raison ou l'autre exercer, exercer en Haïti. Processus ça les concernait depuis que côté haïtien, côté étranger qui rentrent dans le pays et qui ont besoin d'exercer, processus, procédure d'équivalence là, c'est même bagarre. Il y a une nuance. Le pour exercer, gagne deux critères. Il y a le critère académique, il y a le critère de nationalité. Ça veut dire que monde académique là, c'est procédure d'équivalence là. Critère de nationalité, hein? Haïtien sous haïtien, aucun problème. Tandis que si c'est étranger, bon numerus clausus, ça veut dire que bon nombre que nous capables bail licence. Donc c'est voilà nuance là. Mais la, l'équivalence, les mêmes bagailles pour depuis que vous venez en diplôme de l'étranger. Il y a deux exceptions. Umdadou. C'est, pour me dire son seule exception, c'est un monde qui étudie à l'étranger. Mais si c'est l'État haïtien qui veut à l'étudier dans le pays étranger, ben ça veut dire que déjà passerelle ça le résoudre puisque c'est l'État qui choisit que la voie, donc automatiquement diplôme dans le coup. Et ça a que nous gagnons avec notamment si monde qui est censé débourser de Cuba, yo, avec si monde qui a étudié Venezuela eux-mêmes. Son accord gouvernement avec gouvernement, il n'y a pas besoin d'équivalence. Okay. Parce que c'est automatique. Mais parlons d'expérience. Est-ce que ça arrivait que il y a des monde qui rentrait et qui présentait les papiers mais qui n'est pas correct? Mais c'est clair. Non seulement il n'y a pas présenté les papiers qui sont corrects, il y a tout. Pendant l'année, ça là, pendant que nous là, qui vini avec papier équivalent sur qui faux. Ok? Qui faux. Non, mais est-ce que c'est des monde qui étaient quand même à l'étudier? Ou bien qui était allé, en fait, yo allé étudier, mais yo pas étudier. Des fois, vous pas bien faux. Yo pas qu'à dire si vous étudiez, si vous pas étudiez. Parce que si vous n'avez pas étudié, il n'y a aucune raison pour l'aller pas bien faux.
Si l'étudier, la passer processus normal, il réussit, il y a un papier, il vérifie, il y a un papier à bon. Dieu merci, c'est pas un pile cas. Dieu merci, c'est pas un pile cas, mais nous, en médecine, il y a un cas, c'est un cas de trop, parce que c'est un cas ça, et que c'est à partir de cas ça que catastrophe mal est arrivée, et que nous-mêmes n'avons pas appelé ça. Regardez bien dans l'intervention du docteur Lassène, il bien dit que la loi dit la faculté de médecine. La loi ne dit pas une faculté de médecine, la loi dit la faculté de médecine. Ça, c'est un bagage qui méritait pour nous retourner sur lui. Parce qu'à l'époque de la loi, il n'y avait qu'une seule faculté de médecine, c'était donc la faculté de médecine. Mais la loi n'a pas changé. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est seule faculté de médecine ça, qui gagnait prérogative légale pour le délivrer. Papier ça que nous relais équivalence ou bien homologation. Et comment nous gérer comment nous gérer homologation c'est justement entre la faculté et les facultés. C'est ça. Bon, les facultés, étant donné que c'est des gens qui sont formés ici et que l'État haïtien reconnaît le droit déjà pour former des médecins. Il y a une autorisation de fonctionnement. Et là, peut-être, c'est l'autre débat qui pourrait mener tout sur les institutions de formation non reconnues par l'État haïtien, non reconnu par le ministère de la Santé publique, donc l'État haïtien avec qui t'a supposé bailler au droit pour faire formation, ça sont l'autre débat. Donc c'est un processus qui pré-reconnu. C'est-à-dire que Mounsao n'a pas de problème ça parce que il a étudié dans le pays. Okay? Nous n'avons pas parlé de l'étudier dans le pays parce que c'est haïtien. Oui. Donc même si son étranger qui étudie en Haïti, qui a un diplôme délivré et reconnu par l'État haïtien, il a un droit à licence là, il n'y a pas besoin d'équivalence. Donc, question, c'est pas une question de parce qu'on est à l'étranger ou bien parce qu'on est étranger. C'est une question de papier, c'est pas une question de nationalité. Donc, docteur Lassène fait précision hein, et il doit être clair pour tout le monde que seule la faculté de médecine est responsable de l'équivalence jusqu'à nouvel ordre. Peut-être que s'il y a une évolution dans la loi, ça va être différent, mais pour le moment, si on monde au besoin d'exercer la médecine en Haïti, avant que nous-mêmes, dans le ministère, là, nous avons autorisation de pratique, là, il faut que faculté, hein, bah, ou, ça aurait l'équivalence ou bien homologation. Les conditions pour faculté, hein, bah, donc, ça, c'est son deuxième étape. Licence, là, nous-mêmes, son deuxième étape, qui est conditionnée par la loi à l'obtention de l'équivalence. Qui, gens pour l'équivalence, là, ça, c'est l'autre débat que faculté à lui-même, la loi prévoit tout comment pour faculté à bah, et même loi ça tout il prévoit que faculté en cas décidé soit la font examen pour le bail soit la font la réunion conseil pour étudier papier moun nan soit c'est dire que la loi bail faculté en capacité instrument légal pour li cap bon équivalence là et nous même nous pas gain pour nous mettre équivalence là en doute ni contester ni quoi que ce soit et puis faculté bail moun équivalence là moun nan fait service social li. Nous n'avons pas l'autre choix que de plier nos exigences légales là, pour bailler monde dans le papier. Je me songe que, pas bien longtemps de samedi, nous recevons un groupe de médecins formés en République dominicaine. Et ils ont protesté contre le fait que en Haïti, nos autorités n'ont pas de soutien pour reconnaître. Est-ce que c'est le même problème qu'on a posé là, c'est, il y a des questions qui ne sont pas posées. Pas bien aucune autorité haïtienne qui n'est pas consciente de besoins que nous gagnons en ressources humaines pour la santé. D'ailleurs, une formule simple. Un système de santé, c'est d'abord et avant tout des ressources humaines. Mais des ressources humaines bien formées en quantité et en qualité. Ça veut dire que ça veut dire que pour une formule là, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si nous avons des ressources humaines qui sont de mauvaise qualité, la faire plus tôt que si nous n'avons pas du tout. Au contraire, l'État tellement conscient de besoins en ressources humaines que même l'État ça a des accords de partenariat qu'il signe avec d'autres gouvernements pour le voyer former des médecins à l'étranger. Et même l'État ça a, Mabdoli, à une époque, t'es une seule faculté de médecine, même l'État ça a, il admet que faut qu'il ouvre formation et lui reconnaître d'autres facultés qui pour former des médecins, d'autres facultés, d'autres écoles supérieures pour former des infirmières et des technologistes, etc., des professionnels en santé. Ce qui veut dire que nous, beaucoup, et pour ne pas dire nous loin, d'être dans la norme de quota de professionnels que nous avons besoin par rapport à nombre de population. Donc, autrement dit, c'est l'État qui, logiquement, t'a supposé ouvert
à ce que il y ait plus de gens formés dans le système là. Mais ça l'État a pas appelé, et ça nous-mêmes nous avons essayé de combattre, c'est la malformation, si vous voulez, en tout cas, monde qui n'a pas gagné une formation qui est adéquate pour le système là. On ne s'improvise pas médecin. Ça veut dire que les erreurs du médecin, Jean Mounio dit, hein, il n'est pas corrigé tout le temps par élan, l'autre médecin vient corriger. Donc, il y a une catastrophe. Donc, nous-mêmes, le rôle nous dans le ministère, là, c'est aspect ça. Parce que nous n'avons pas d'information. Donc, le ministère n'a pas gagné l'école de formation. Habite là, pas gagné l'équipe de football. Mais il faut qu'il bien arbitre le match là pour ne pas gagner un joueur qui a un mauvais coup. Merci, docteur Adrien. On allait avec l'examen Kounila, docteur Larsen, examen infirmière. Rapidement, parce que j'ai deux petites questions que je vais poser, docteur Adrien. La question d'actualité, évidemment. Certainement, je vais parler d'examen, mais il y a un complément d'information pour moi sur la question de poser par rapport avec les gens qui étudient en République dominicaine. C'est clair que nous n'avons pas gagné un problème avec quiconque, puisque nous sommes là pour nous faire respecter la loi. À preuve, au moment où je vous parle, nous avons 197 personnes qui étudient à ce domaine, qui dans le service social. Et ils remplissent les conditions, ils ont équivalence. Ça, c'est un. Et au moment où je vous parle, nous avons 121 qui réunissent les conditions. Ça veut dire que qui ont équivalence, qui attendent pour nous déployer en service social dans la prochaine cohorte et qui pour aller en service social. Ça nous dit, si les conditions ne sont pas réunies, il est clair que par rapport à l'application de la loi, nous pas qu'à bailler licence parce que c'est responsabilité. Et l'élément responsabilité, c'est critère académique. Le service social, c'est un élément qui permet que nous nous intégrer dans le système. Mais ce n'est pas condition sine qua non pour gagner licence. Pour gagner licence, il faut remplir conditions académiques et conditions nationalité. Maintenant, rappelez sur les conditions. Les conditions nous disent qu'il faut qu'on gagne équivalence. Équivalence, ce n'est pas ministère qui baille, c'est faculté de médecine qui baille. Donc depuis que papier ça a divini, nous même n'avons pas suite à lui-même lorsque toute pièce est OK. Ok. Maintenant, examen. Sous examen d'État, nous connaissons que examen d'État, comme directeur général a dit déjà, c'est un élément, c'est un instrument qui permet que nous vérifions en tant que régulateur que nous avons un minimum de compétences que les gens qui pourraient aller exercer, ils gagnent avant même que nous balions la licence. Li. N'a pas parlé pour les infirmières parce que, et aujourd'hui, actualité, dans le cadre d'examen d'État, li concerné infirmières. Maintenant, dans la condition ça qui pour réunir, nous, ce n'est pas bloqué, n'a bloqué personne. Nous, là, tout simplement, pour vérifier le minimum. Et comment vérifier le minimum? C'est-à-dire que l'heure où elle fait examen, ou gagner une série d'éléments que vous pouvez vérifier pour dire minimum ça, si vous n'avez pas le capable. Et minimum ça, c'est un examen que nous faisons passer. Et examen, critère, là, ça n'est le minimum, non, c'est moyenne 70 pour faire par bloc. Parce que, je vous dis, le consensus que nous gagnons, nous gagnons pour ces verbales là, avec toute institution, yo, dans la dernière réunion que nous avons gagnée, depuis l'époque que nous avons fait examen, en décembre 2017, c'est par bloc, il y a 4 blocs. Et il faut que nous fait 70 dans chaque bloc. Ça veut dire que l'on a concevoir l'examen, le minimum qu'il faut avoir, c'est 70. Ça veut dire que dès que vous faites moins que 70, vous ne pas atteindre le minimum. Maintenant, on a fait plus. D'ailleurs, il y a des gens qui font 94, 96, mais le minimum admis. Donc, cela étant dit, non seulement nous avons un consensus là, sur le minimum, là, critère pour nous faire passer l'examen, nous allons chercher connaissance, concept, yo, dans la compréhension moun et dans l'application, puisque c'est exercer par l'exercice. Il y a d'autres éléments que nous sommes capables de poser. Mais le minimum pour nous, les questions, les formules, les répondre à ça, et nous gagnons un nombre de questions qui sont ces basiques, basiques, qui vous permettent que si moun nan est à l'école et que le minimum est fait, il est supposé 70 ans sans problème. Donc, examen au fait, nous avons gagné en première session qui fait session ordinaire qui fait 17 décembre. Nous gagnons là-dedans par rapport à la quantité de monde qui est passé l'examen, il y a 27% de résultats de monde qui réussit. Et nous te permettons, suivant les critères, que les gens qui, puisque c'est 4 blocs qui peuvent faire 70 par eux-mêmes, si vous faites ou réussit 3 blocs et que vous gagnez un qui passe 70 là-dedans, nous permettons de reprendre le bloc là seulement, nous ne pouvons pas reprendre l'examen au total. Si vous réussissez 2 blocs,
et que il y a deux blocs opérés là-dedans nous permettent qu'on reprenne deux blocs yo, mais dans critère yo, à partir du moment où échoué dans trois blocs, désolé, on va reprendre examen au total. Et c'est ainsi que le 3 juin nous t'ai fait session de rattrapage ça pour monde qui pas réussi. Et maintenant encore une fois gagné 60 gagné 27% dans monde qui t'en reprise ça qui passe examen. Donc examen yo passé mais gagné monde qui pas passé non plus. Monde qui pas passé ça veut dire que pas réuni minimum non. Donc si pas réuni minimum non ou pas capable de traverser frontière là parce que n'a pas parlé de santé monde, n'a pas parlé de bail qui sérieux. Est-ce que nous commençons à enregistrer protestation? Nous gagné monde qui écrit nous qui a demandé nous pour nous descendre à 60. Écoutez, soyons sérieux. Le minimum c'est 70. 70 veut dire que c'est le minimum pour nous capable de traverser. Donc si vous pas gagné 70 là, vous restez derrière, préparez-vous pour aller reprendre examen dans la prochaine session. Il faut dire que le 70 là c'est pas un chiffre que nous fixons de façon arbitraire. C'est selon les normes. Mais nous pensons que c'est le hasard arbitraire, mais il est difficile pour atteindre. Mais il n'est pas qu'à supposer difficile. Il n'est pas qu'à supposer difficile parce que quelqu'un fait 90, quelqu'un fait 94. Oui, mais quantité de monde qui vient venir là, parce que docteur. Ça fait 40, 52, entre 27 plus 27, ça fait 52%. Mais c'est difficile quand même pour arriver à 50%. Quel pourcentage de monde qui réussit le baccalauréat, Wendel? Bon, non. Bon, un examen, c'est une compétition. Ce n'est pas un concours. C'est même pas compétition. Ce n'est pas un concours d'admission, c'est un examen. Non, là, c'est un concours. C'est pas pour avec un concours d'admission. Est-ce que le pas difficile? Parce que là, on parle de 26. Difficile ou pas difficile? Difficile ou pas difficile, c'est relatif. Gagner cap trouver le difficile, quand vous gagnez cap trouver le facile. Mais sauf que nous-mêmes, nous avons responsabilité. Responsabilité, c'est vie monde. C'est ça, mais on ne peut pas faire un papier. N'importe qui, ok, merci infiniment. Il est mon petit point rapidement avec ton petit point d'actualité avec vous deux. Est-ce que c'est vrai que est-ce que tu as enregistré des cas de lèpre en Haïti ces derniers jours? Et oui, mais là, on a parlé d'enregistrement de nouveaux cas de lèpre. Je voulais pour moi connaître deux bagailles. Premièrement, lèpre pas jamais de disparaître, lèpre a toujours existé. Et l'EP fait partie de sa maladie tropicale négligée. Ça veut dire que son maladie qui est tellement à bas bruit qui existait que le monde a tendance à négliger le pas parler de lui-même. C'est pas l'EP qu'on a dans la Bible, docteur. C'est l'EP qu'on a dans la Bible. Là, depuis dans Lévitique, l'EP qu'on a parlé de l'EP, côté que malheureusement, à l'époque, c'était des maladies vraiment stigmatisantes, côté que vous mettez mon nom dans l'éproserie. Et sous comme vous remontez dans la Bible, soit à l'époque, quand les prêtres diagnostiquer un cas de lèpre selon des critères que vous-même avez établi, Mounsa, c'était pratiquement une condamnation à mort. Et c'est même des mouns qui ont été considérés comme des morts vivants parce que, justement, mutilation, en tout cas, dommage que lèpre l'a causé sous commune, il était semblé avec, ça a été connu à l'époque, un cadavre ambulant, etc. Mais heureusement, la lèpre a évolué entre temps. La science ou la lèpre? La science a évolué entre temps et la maladie. Une bien connu, il a découvert microbe qui bat lien, il a découvert médicament qui bon pour lui et traitement lèp son bagage qui est relativement facile. Maintenant ça qui est plus difficile et difficulté que nous gagnons ici, c'est pour faire diagnostic là. C'est pas diagnostic là en soi qui est difficile, mais c'est que faut que mounio vini dans le centre de santé vini consulter pour découvrir que yo gagne des signes qui t'a capable dire que yo gagne lèp. Parce que les plans commençaient de façon subtile. Son type de coloration qu'on gagne sous peau, ok, qui perd du sensibilité. Et c'est à partir de type décoloration ça le plus souvent, là où elle consulte les dermatologues, là où elle fait des tests là dedans et puis il dit ah ça capable et puis il fait examen pour montrer qu'on gagne les plans. Gagner des foyers côté que t'es toujours qu'on gagne des cas de lèpre. Nous gagnons deux foyers. Yon dans la Tibonite, donc on est en parler peut-être de l'Institut Cardinal Léger, et yon dans la zone Léogane, et même dans Port-au-Prince avec l'Institut Femme Péréo, qui traitait spécifiquement maladie ça. Mais ça nous constate, est-ce que nous constatons une poussée? Ma problème, si c'est une poussée ou bien si c'est le fait que moyen diagnostic vient d'améliorer parce que nous gagnons des professionnels qui a occupé de ça seulement de chercher des cas de lèpre parce que nous avons en coopération avec l'OPS, OMS qui mettait à disposition des experts
en lépologie, parce qu'il ne faut pas oublier, la lèpre, ce n'est pas une maladie qui est spécifique à Haïti. D'ailleurs, les 90% des cas de lèpre se retrouvent dans des pays d'Asie et d'Afrique, si on peut parler, bon, on pas besoin de nommer pays ou nommément. Oui. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas un grand foyer d'épidémie. Nous n'avons pas besoin de ça tout le monde. Je dis, nous pas besoin de ça. Mais c'est pas que nous pas besoin, nous te gagnons. C'est que nous sommes toujours sous contrôle. En fait, nous pas besoin qu'une maladie. Nous pas besoin ça, que nous pas besoin l'autre. Et pas qu'une société qui besoin maladie. Maintenant, ça pour me dire, c'est que c'est pas une situation pour créer panique, pour mon affoler. Le traitement de la lèpre est simple. Oui, mais quand même. C'est des antibiotiques. Avant, entre 6 mois à 12 mois. Ça va dépendre de qui forme de lèpre qu'on gagne. Il y a une forme qui n'est pas même contagieuse. Et heureusement, forme qui est plus contagieuse n'est pas grave. Ça veut dire que même si vous avez des cas de lèpre, il y en a une forme qui est plus courante qu'on peut rencontrer dans ces formes lépromateuses, qui lui-même, l'état censé contagieuse, mais qui n'est pas grave et qui traite peut-être un petit peu plus facilement. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça, ni affoler nous à cause. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça, nous n'avons pas besoin d'affoler. Sauf que nous supposons sensibiliser pour que nous connaissions que lorsque nous tâchons à lever sous peau, lorsque nous commençons à perdre sensibilité et son série de côtés dans le corps, ou comme si vous avez remarqué, sous pour dire font typique, pas sentir. Sous vous avez une déformation au niveau des doigts, des orteils, etc., au niveau de nez. Parce que, en fait, le plan lui-même. Attends, docteur Thomas. Vous dites au niveau des orteils. Oui, au niveau des doigts et surtout des orteils, au niveau des extrémités. C'est pas parce que qu'on dit que c'est corps qui n'empire mon évalué même. C'est pas lui même. Faut pas confondre corps avec et non, parce que des orteils ou des orteils ou des sensibilités, des formations qui liées à l'épée. Parce que microbe qui bat l'épée là. Les maladies ont évolué si mon n'est pas traité, ils viennent attaquer nerf mon. Au nerf ils attaquent le plus souvent c'est des nerfs qui allaient dans zone ça dans zone extrémité. Ok, nerf cubital, nerf saphène externe, etc. Qui pral bay moun nan des déformations au niveau des doigts. Ok, moun nan kon gen sa nou rele souvle la main tombante, comme si moun nan gen main comme ça, moun nan kon gen main comme ça. Et puis, li kon provoke des troubles tout nan jan moun nan pale, parce que li atteint nerf sa retour. Et déformation surtout au niveau du visage avec nerf moun nan qui conforme. Donc, en fait, c'est effrayant. L'on commence à arriver dans le stade avancé. Mais ça qui est maladie, ça. Mais son microbe, que aurait les mycobacterium lépré, qui baille? C'est autant de mycobacterium, les plus ou moins familles de microbes qui baille tuberculose, là, qui relèvent tout mycobacterium tuberculosis. Heureusement, dans quelque chose malheur est bon, il y a remarqué que pays côté qui gagne tuberculose de façon endémique, gon légère protection contre les plans. Ça veut dire que moun sou pa gran pile. Alors que microbio semblé, mais côté qui gagne youn en pile, l'autre là ou on sorte de protection contre lui-même. Ça qui est important pour moun yo connaît, c'est transmission. Dans un premier temps, yo te pensé que son maladie qui est extrêmement contagieux, comme si depou ouais on lépré ou passé bon comme autre monde qui fait lèp ou pral gen lèp. À la suite, je viens de découvrir que ce n'est pas ça. Il faut qu'on contacte plus intime. C'est des gouttelettes. C'est gagner tout en forme que c'est des rongeurs. C'est des animaux qui ont joué, qui ont pataugé dans fatra, dans bagage, etc. Donc, toute cohabitation entre fatra, insalubrité et la vie humaine, les poser des conditions de risque pour des maladies. Et ça, c'est une. Vous dites fatra, oui, docteur? Oui. Fatra. Parce que, en fait. Fatra, insalubrité, ou dit rongeur, rate et autres. Exact. Donc, on rate mordé, m'la m'ka prendre. Non, on espère que d'abord, elle l'a pas mordé, mais, les animaux qui transmettent les pio, rate pas dans eux. Ce sont l'autre forme. Pas une, c'est chat. Non, c'est pas chat. C'est pas chien, non plus. C'est pas des animaux domestiques et, c'est même pas des animaux que le plus on nous gagne. C'est peut-être mangous ou bien des animaux un petit peu plus sauvages que ça, que, en général, n'ont pas cohabité avec eux comme des animaux domestiques. Mais sauf que, actuellement, avant même que l'information ait été sortie, ou qu'a fait bruit des cas de lèpre, etc., le ministère de la Santé publique, dans le cadre de renforcement qu'il a fait pour l'hôpital Gonaïve, parce que nous sommes toujours la Tibonite, c'est une foyer qui gagne, nous affecter un dermatologue, qui est un spécialiste de maladies de la peau,
et direction départementale qui est pour instruction pour l'ouvrir dans l'hôpital Gonaïves là en clinique de dépistage de la lèpre. Et comme directeur départemental, c'est un médecin qui travaille dans le programme de lèpre. Donc autrement dit, son pathologie que monsieur connaît très bien et son programme qui te joint un bon accueil au niveau dirigeant dans le département de la Tibonite. Donc possibilité de propagation, de contamination est moindre par rapport à choléra par exemple? Oh, on ne peut pas parler de même bagage du tout. On ne peut pas parler de même bagage du tout. La preuve, on t'a déjà attendu des gars que les propres fait, etc. Regardez qui l'un n'a parlé de maladies qui existaient depuis 5e siècle après Jésus-Christ, ou parlait de temps la Bible, de Lévitique, de Bajao. Ça veut dire que ce sont anciennes maladies. Mais nous, il y aurait les maladies tropicales négligées. Ça veut dire que c'est des maladies qui éradiquées dans certains pays, qui existent dans d'autres encore. Mais pour tout à fait clair avec vous, en 2018, là, en janvier 2018, on a recensé des cas de lèpre dans un pays comme la France. Évidemment, ils ont tous venu des pays, des territoires d'outre-mer. C'est pas forcément maladie pays pauvre, parce que les lépreux voyagent aussi. C'est pas entre le temps que moi. Et bien Washington en avion, bon côté, ils ont lépreux. Même si ça t'est arrivé, ça pas supposé inquiéter au bas. D'abord, la très difficile pour connaître son lépreux, parce que faut avoir un diagnostic spécifique pour que c'est lèpre. C'est pas parce que mon nom a une tache sous poule ou bien qu'elle a une figure qui n'est pas tout à fait semblée avec figure pauvre qui veut dire que c'est lèpre qui gagne. Lèpre là, est lié à un diagnostic, et un diagnostic de biopsie ou bien de recherche d'éléments dans sa mêlée des frottis nasopharyngés ou bien dans gorge mon nom pour faire des prélèvements pour aller et pour une prise en charge des médicaments sont disponibles, les médicaments sont gratuits. Il suffit que mon nom aller dans un programme les dépister et les adhérer à un plan de traitement. Comment on dit la pour traiter? Entre 6 mois et 12 mois, dépendant de forme que le gain et de quantité de microbes que vous découvrez la gagne. Il y a des gens qui ont été annoncés récemment, quantité de saleté qui est dans Port-au-Prince, dans Delma notamment, à la suite de l'événement Rio, on a dû attendre à des maladies au niveau des troubles respiratoires notamment. C'est vrai, docteur, nous avons pris pour nous prendre. Bon, excusez-moi, je suis capable d'aborder le dossier. Mais tellement de cas où tout a boulé, il y a des gens qui disent qu'il y a des possibilités pour gagner quelques maladies bientôt. Vous êtes capable de parler de ça? Vous voulez parler de ça? Est-ce que c'est vrai? Non, mais écoute, Wendel, ce n'est pas un secret pour personne que dans le cas de fumée, de boulet fatra, boulet bagaille, il y a des maladies qui non seulement ont aggravé si vous êtes là déjà, et il y a d'autres qui ne sont pas là qui viennent. Donc, il y a un pile médecin, un pile docteur qui est intervenu sur la question à l'époque et fait, qui dit bien que maladies respiratoires, par exemple allergie, monde qui est asthmatique, etc., monde ça va gagner en recrudescence de maladies ça. Et monde qui est un terrain allergique déjà, qui a respiré, produit ça, la vine aggravé terrain. Donc, est-ce qu'on sentit ça en tant que l'effet n'est pas forcément pour venir tout de suite. L'effet pas forcément pour venir tout de suite, mais presque certain que on a besoin des mouns qui pendant période là présentaient des symptômes de détresse respiratoire ou bien d'inconfort respiratoire suite à aspiration ou bien à respiration produit ça va cap dégager de la fumée, parce qu'en fait fumer en soi pas jamais un bagage qui bon pour l'environnement, mais en plus que nous avons des fumées toxiques. Parce que l'eau boulon caoutchouc, c'est des dizaines de produits toxiques qui enflammés qui prend la nature. L'autre boulot machine, machine a plusieurs composants qui entrent dans la fabrication machine. Il y a vinyle, il y a plastique, il y a tout le caoutchouc. Ça veut dire si moi, je parle de son route, moi à 100 mètres, mon caoutchouc qui a brûlé, qui est à peu dans la machine, pour santé, pas même à laisser passer, c'est cassé tête tournée? Pas même à laisser passer, c'est cassé tête tournée. D'abord, si le caoutchouc a brûlé, c'est que le gros problème qui fait brûler le caoutchouc, déjà, au grand risque sécuritaire pour vous-même. Pour qu'on va traverser la barricade là. Donc, d'où la nécessité pour ne pas travailler d'un commun accord, tout le monde, sans exclusion, pour nous sortir dans la méthode ça, dans le principe ça. Parce qu'en fait, bouler caoutchouc, c'est plus facile
pour éviter bouler caoutchouc, en tout cas pour moun prendre conscience que pas bouler caoutchouc, que pour marcher éteindre tout caoutchouc qui a boulé. Sauf que moun qui a boulé caoutchouc, il dit toujours bon raison pour ça la boulé caoutchouc. Maintenant, est-ce que toute région nous gagne pour revendiquer il passer par ça. Il y a moun qui dit généralement moun qui a boulé caoutchouc, pas jamais rester respirer caoutchouc, vraiment toujours déplacer sauf qu'il y a veille l'éteindre, si vous mettre l'autre premier. Mais c'est moun qui a passé qui gon aspirer fumée, fumée passive. Donc, il y a quelqu'un qui dit probablement c'est parce que vous observez, mais il y a une bagaille qu'on observe vraiment, c'est que le plus souvent, les qui actif dans raviver flamme caoutchouc, soit les gon sorte de mouchoir qu'il marre à partir de les bouches, ou bien effectivement, j'en dis, il vient l'arrivée flamme dans l'yade, etc. Mais tout ça dit nous qui ça? Tout ça nous dit que nous, nos sociétés, côté que action au monde, comportement au monde, gagne des conséquences. Sous l'autre monde. Et que c'est une bagarre qu'on doit mettre en tête que tout ça m'a fait dans la vie, hein, quelle que soit la raison m'a fait là, qui conséquence ça va gagner sur l'ensemble pour me connaître qui le pour intérêt pas me pousser moi blier l'ensemble, moi faire ça me pour me faire peu importe danger ça gagner sur l'ensemble ou bien qui le pour me font camper pour me réfléchir pour me dire ah normalement dans situation ça c'est ça pour me faire mais si me fait ça mais qui conséquence qui va gagner et que moi même qu'a victime ou bien entourage pas me tout qu'a victime. Et c'est là des fois où gagne ça relé on couteau pharmacie on lame à double tranchant c'est que m'a fond bagaille pensant que m'a défendre intérêt mais en défendant mes intérêts moi mettez intérêt plusieurs l'autre monde y compris propre intérêt pas moi de façon indirecte en jeu etc. Mais nous nos sociétés d'ailleurs dit que nos sociétés ou pas qu'à attendre à ce comportement tout le monde aller dans le sens de la loi de la rectitude de la rigidité c'est pour ça qu'il y a des mesures de rétorsion soulevée ou bien des mesures de correction les on monde fait ça le pas doit faire pour la loi et rentrer dans le droit chemin. Docteur Laurent Adrien, merci pour présence sur la matin. Ou manon plusieurs conseils, plusieurs, en pile explication tout. Merci infiniment. De même pour docteur Larsen, Evans Vladimir Larsen, qui est directeur direction formation et perfectionnement en sciences de la santé. M'espère que le message est passé. Et nous souhaitons rencontrer nous l'autre là pour nous parler de questions santé, parce que comme en pile auditeurs et téléspectateurs de Ferro Maclay, ils souhaitent partager avec nous, ils ont apprécié le fait que dans le point, nous avons santé une place importante. Merci encore une fois. C'est nous pour remercier Wendel et puis nous pour remercier tout staff Radio Télémétropole là tout. Et nous connaissons que porte là. L'a toujours ouvert pour nous. Et nous-mêmes, tout dans le ministère, objectif nous, c'est communiquer. Parce que l'on pas communiquer, moun communiquer pour vous. Et souvent, il n'y a pas dit forcément. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans le système. Il va dire, et en fait, beaucoup d'efforts qui se font, le système. Il y a pile de défis, mais il faut que tout le monde admette tout que. Souvent, on ne peut pas tout réussir, mais on doit tout tenter pour aller vers la réussite. Et c'est l'objectif, nous, les ministres, ça a été ça, le mandat de cette équipe. Et c'est pour ça que nous gourmets pendant le temps que nous là, et nous passons, nous continuons à gourmets pour ça. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole,